Michel Barnier, une lésion. Matignon révèle que le Premier ministre a été opéré et donne une précision de taille. Tout s'est bien passé, assure l'hôtel de Matignon. Le Premier ministre Michel Barnier, âgé de 73 ans, a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale, a annoncé son médecin dans un communiqué publié ce lundi 28 octobre. Sans donner davantage de détails sur la nature de l'intervention chirurgicale et la pathologie du Premier ministre. Le docteur Olivier Hersant précise que l'opération menée ce week-end va donner lieu à des analyses. Les résultats de l'analyse seront connus d'ici quelques semaines, écrit-il. Toujours selon le communiqué du docteur Hersant, Michel Barnier a repris normalement son travail ce lundi à l'hôtel de Matignon. Il recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres ce jeudi 31 octobre. Le chef du gouvernement a effectivement été aperçu ce lundi à l'occasion de tête-à-tête avec ses collègues. Il s'est notamment entretenu avec la porte-parole du gouvernement, Maude Brejon, et la ministre chargée des relations avec le Parlement, Nathalie Delattre. Âgé de 73 ans, Michel Barnier occupe la fonction de Premier ministre français depuis moins de deux mois. Il a été nommé à ce poste le 5 septembre 2024 à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron le 7 juin dernier. Élu député en 1978, Michel Barnier a occupé de nombreux postes au gouvernement au cours de sa carrière. Avant d'être Premier ministre, il a été ministre de l'Environnement sous François Mitterrand, puis ministre délégué aux Affaires européennes et ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac. En juin 2009, il est devenu ministre de l'Agriculture et de la Pêche sous Nicolas Sarkozy, puis député européen. De 2016 à 2019, il a également tenu le poste de négociateur en chef pour l'Union européenne. Il était chargé de mener les négociations liées au Brexit.